Merci, mes amis. Vous avez sauvé les Valkyries. Sigrun, comment est-ce arrivé ? Mimir, est-ce bien toi ? Tu es libre ? Mais... La liberté a un prix, madame. Ce que tu dis est juste. De nombreux hivers, nous avons servi le père de tout. Mais nous avons eu un aperçu de la liberté que par son union avec la reine. Vous n'êtes pas la reine ? Il n'y a jamais eu qu'une reine des Valkyries, la déesse Freya. Quand Odin lui prit ses ailes, j'ai servi à sa place. Mais cela ne convenait pas au père de tout. Il s'est servi d'un sort magique archaïque pour corrompre mes sœurs. J'ai alors voulu limiter le mal en les enfermant là où elles ne porteraient préjudice à personne, mais... je me suis perdu moi-même. Sigrun, je regrette d'avoir été si lâche. J'aurais pu faire quelque chose. Ou essayer, au moins. Que vas-tu faire maintenant ? Je dois rejoindre mes sœurs. Ensemble, nous restaurerons l'équilibre entre les royaumes. Vous avez la reconnaissance éternelle des Valkyries. Bien, nous avons réussi, je suppose. Ça n'a pas l'air de vraiment très jouer. Il est difficile de se réjouir de quoi que ce soit quand on n'est qu'une tête ressuscitée. Je suis content que nous ayons pu libérer les Valkyries. Mais tout ceci aurait pu être évité, si seulement... Tu l'as dit toi-même, Veth. Ça n'a plus d'importance. Le passé est le passé. Bien, c'est extrêmement positif venant de toi. Je suis de bonne humeur. Les nains vont pouvoir transformer ce home. Ton père est un peu obsessionnel, non, Toby ? Explique-toi, Tête. Où es-tu encore ensorcelé ? Pas du tout. Freya a été la reine des Valkyries. Une partie de sa dot de mariage était d'en prendre le commandement. C'était une puissante déesse Van et elle la vénérait. Mais j'ignorais à quel point jusque-là. Reposons-nous. Je vais dormir tout l'hiver. Bien. Ça ira. Dors. Je t'ai pas attendu.